Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fraggy. Aujourd'hui on est sur Naval Action, toujours et encore, la pluie tombe, il fait gris. Mais vous en faites pas les amis, on va s'amuser, on va faire du PVP et du PVE, peut-être la bataille de port, allez savoir. Et écoutez, n'oubliez pas de vous accrocher à vos canons car ça va secouer. Et allez, on y va tout de suite avec une carotte quand même. Allez, on fonce. On va voir. Ça fait. Non, pas, je vais faire escorter par des pirates. Ça se peut qu'ils ont mis, des bateaux sans canon. Ok, de Kirib, vous vous mettez comme moi, dans la même position que moi, s'il vous plaît. En tas sur moi, dans la même position. Allez, rapprochez-vous. Je suis où, Kirib? Je vais relancer le tag, je suis le centaure qui a arrêté. Donc, ok. On approche un petit peu, on se réapproche. Je relance le tag, on se réapproche. Ah bah je me rapproche. On fait les petites voiles moi, hein, de loin. Mais bon. 85%, ouais tu m'étonnes. Oh, c'est bon, je suis bon. Le marché, j'arriverai jamais à rattraper Fraggy et Jean Buisson. Hein. Pourquoi? Parce que le vent vient de là où ils sont, alors. De Fraggy fait un effort. Soit eux ralentissent ou... Ouais mais si on ralentit on les laisse partir les autres, je crois. Continue quand même, s'il te plaît, tu vas dans ce trou là, tu auras un peu les deux, tu auras un peu des mecs à ta gauche, un peu des mecs à ta droite. Ok, bien pris. Moi de Kirib, je te laisse avec ta target, c'est bon? Moi de Kirib, s'il te plaît, merci de confirmer qu'il n'y a pas de problème pour ta target. On a déjà 100 canaux océans. Fais attention de ne pas te faire aborder, c'est le principe. Hein. Et je vais tirer sur Fogoness à la double sous peu. Ou même très peu. Ah, il commence à s'écarter de nous, le groupe de devant. Ouais, il essaie de rejoindre là. Ah, c'est bien, tu fais. Fraggy et Jean Dubuisson, attention, les trois devant sont en train d'essayer de rejoindre leurs copains. C'est ce que j'étais en train d'annoncer, excuse-moi. Okay. Bien pris. Faites attention. Tapez pas encore à la double dans Fogoness. Essayez de le descendre encore un petit peu sur les voiles pour que ce soit plus facile. Ouais, je m'avance tranquille avec la double, ça devrait y aller. Bien anglais, il devrait pas avoir trop de soucis. Fais gaffe quand même, j'attends 80% de voix et la double je répare. Et il a tiré, c'est bon, il est heureux. Maintenant c'est le bon tour. Bien, t'as peur hein. Chapeau les gars, parce que là on fait quand même grosse présence EDR en open sea, grosse présence en PV. Le Fraggy on reprend le vent pour les rattraper. Je crois que Cipero a explosé. Oh, bien joué. Il a tué des gens? Non,
tué personne chez nous, mais il a endommagé deux de nos océans. Dommage. Je pense que ça arrive. Ah, il répare ses voiles, monsieur Fogones. Quel dommage. Ah. T'es con, j'étais anglais. Ok. Vizca, t'as une visibilité de ce qui se passe devant toi ? Oui. Ok, je te donne le lead. Ok, bien fait. Pour organiser un petit peu devant. Je commence à très loin et je vais me concentrer pour finir ce cochon là. Ok ? Très bien, bien pris. C'est bien que je le donnerai pas, mais prends les choses en main. Ok. Donc, compte de Guy Chen, est-ce que tu peux me lâcher une bordée de chaîne sur Fogones, sur ta gauche ? Ouais, parce qu'il a repris les voiles. Et pas pareil, une bordée de chaîne sur ta droite pour Hector de Lys. De Lys. Carrette devient la cible principale au boulet. Il a 66% de voile pour lui défoncer la coque. Notamment Julien vise la coque de Carrette. Ah bah. Julien, moi je suis dépassé. Moi maintenant je me pique de Fogones. L'autre il veut ralentir donc je le laisse tranquille. Moi je suis entre Fogones. Biscoff et moi Esmal, je vais te faire un truc. Pardon? Et moi Esmal. Non. Fringui, tu vas partir. Attention, camp de guichet. Tu vas partir aider les copains sur l'océan, donc Carrette. Ah oui, lui on va pouvoir l'encercler. Tu vas tourner sur ta droite et prendre ton bon vent pour rejoindre Carrette et lui défoncer la coque. Et je vais lui faire le cul au talot dehors. Bien pris, j'envoie ma dernière bordée de chaîne et je tourne. Ok, bien pris. Jean Dubuisson, pareil. Toi par contre, il faudrait que tu rejoignes Fogones. Je ne pense pas qu'on va pouvoir rattraper cette libéraux Juan Pro et leurs copains. Ok, du coup, il y a un centaure qui est. Qui fait demi-tour. Hein. Il fait demi-tour, vous le prenez en focus. Attends, et vous je défoncez. Mets. Je prends ma dernière bordée. On continue comme ça. Moi, de Kirif, est-ce que tu veux le looter ? Dis-moi oui ou non sur le chat. Je recharge des doutes partout. Ouais, malheureusement, moi, tu vas quand même aller le looter, parce que t'es... Quoique... Bon, si tu t'en fous, vas-y, trace ta route. On est d'accord qu'un navire qui est en train de couler ne peut pas quitter. De vrai qui, agent du buisson, t'as plus qu'à réparer ton mât. Moi, tu fais demi-tour et tu pars sur les copains. J'en coupe. Ok. De Vizca à... Je reste pas loin de toi. À Jean Dubuisson et à Fringui, votre focus, ça sera Slicky. Il vient sur vous. Bien. Vous lui descendez les voiles au maximum avec 2-3 bandées de chaîne et vous faites la coque. Julien, tu continues sur Fogones. Ah bah t'inquiète pas, je tire le cul, je lui fais déjà pas mal de. Non, tu tires pas le cul. Je veux pas que tu tires le cul, je veux que tu tires les voiles. Ah ok. Bah, je vais charger les voiles. Je tire les voiles, ok parfait. Tolan, focus okay, sur Carrette. Ok, Dekiri, tu es de retour aux commandes. Bien pris. J'ai du buisson du Kiri, est-ce que tu peux balancer le rep à voile, oui ou non ? Non, je suis en cooldown, j'ai plus trop. Combien de temps ? Je suis trop focus par les trois. Combien de temps ? 3 minutes et demie. Ok, tu t'écartes, ça fait une route convergente vers. Slicky va essayer de t'aborder. Donc tu vas dès à présent faire. Tu vas tourner à gauche et tu vas rusher sur Feldmarschall, s'il te plaît. Tu tournes à gauche maintenant, Jean. Donc tu mets ta voile gauche deux fois sur A
tu dévantes ta voile arrière, tu vas tourner en fait à l'intérieur de lui. Et tu restes bien sûr en pleine voile. Fringui de Kirip. Oui. Tu vas faire demi-tour. C'est en cours de Fringui. Tu vas aller sur le cul, tu vas tourner à droite à fond et tu vas aller sur le cul de Celtibero Juango. Et continue à tourner à gauche à fond, mon petit Jean. Il pourra pas t'arrêter. Tu appuies sur F, Jean, pour remettre les voiles en auto-truc, pour avoir une grosse poussée devant. Et tu vas rejoindre Fell Marshall. Ça marche. Fell Marshall, je dois l'instruction. Fell de Kef, tu tapes dans les voiles de Sticky. Jean, tu vas tourner à droite, tu vas taper dans les voiles de Sticky. Les voiles, Jean, s'il te plaît. Moi, je tire les voiles de Foucault. Ouais, j'ai vu, mais c'est les voiles. De Fad, je le suis ou. Fell, tu tournes à gauche, tu vas suivre Sticky. Le fringuer, je la rose. Et Fogonet, ça a été diminué. Fringui, tu tournes à droite à fond et tu vas sur Sleeky. Bien pris. Jean Dubuisson, Feld et Fringui, vous êtes sur Sleeky. Ok. On tape à la chaîne. Biska de Kirip. Fais demi-tour face au vent sur ta gauche, tu pars sur Sleeky. Bien pris. Moua et Kirip, on part sur Sleeky. Et quasiment face au vent par rapport à nous, bâtard. Donc ça, et les deux qui sont devant, et ben ils s'échappent, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, l'autre côté, comment ça se passe? Ça se passe pas si mal. Hein. Alors Titan, il faut pas taper dans le cul des adversaires, hein. Il faut taper dans le flanc. Ah, moi tu veux l'aborder? Titan de Kirip, tu veux l'aborder? Non. Bon. Donc dans ce cas, vas-y, tu veux aborder? Vas-y, il a pas de truc à aborder. Ok, et bah vous le dégommez alors. Titan, tu t'arrêtes un petit peu loin et tu le dégommes. On dirait qu'il y a un compte de Guichen qui a des problèmes. Ah, compte de Guichen, compte de Guichen de Kirip, tu vas tourner à droite à fond, tu fais un demi-tour complet sur ta droite. D'avant-port Julien, tu vas légèrement sur ta droite, et tu vas de 10 degrés sur ta droite et tu fais tout droit. Solan de Kirip, tu vas tout droit jusqu'à notre ami compte de Guichen. Compte de Guichen, tu fais demi-tour à droite tout, s'il te plaît. Je vais tirer sur qui moi du coup avec les chaînes. Yes, Loki. Sur Fogones ou je tire sur l'autre cinglé de qui m'a parlé? Tu viens d'avant-port, tu vas aider notre copain contre de Guichen. Donc je tire sur tu vas tout droit pour le moment. De Visca. Et tu t'apprends avec tes bordées gauche dans les voiles de Fogones. Mais contre de Guichen, tu fais demi-tour sur ta droite, ça fait. Tu continues à faire demi-tour, Fogones. De Visca, Carrette est abordable, il a 615 écrous. Hein. Il a capturé Laurent. Hein. Ouais, mais je pense qu'il y a personne qui veut le capturer. Le Sticky a fait une manœuvre revanche, j'ai l'impression. Sticky a effectivement fait demi-tour avec une manœuvre revanche. Le Biska, ça va être très compliqué de rejoindre le Sticky. Ok, dans ce cas, tu pars sur Garrett. Enfin, sur Kirette. Ok, les gens qui sont autour de Kirette, vous allez tous bouger sur fond de Guichen. Bah ouais, c'est prévu. Bon, là, j'ai fait demi-tour. Hein. Qu'est-ce que je fais? Tu refais demi-tour, tu continues, tu fais un demi-tour complet face au vent. D'accord. Ouais, bah le but c'était de leur montrer ton flanc droit tout le temps. Je vais me taper Tolan, j'ai un peu à me méfier. Le fringuier agent du buisson, j'ai déventé. On va trouver un micro plus fort. Hélène, Enel, tu dis quoi, excusez-moi? Enel de Kirip. Il y a Fogones qui est vachement ralenti là, je l'ai foutu à 67%. Ouais, Tolan on peut le baiser. Ouais, Visca pour baiser, moi j'ai bien envie de continuer au-dessus hein, et de voir celui qui est encore devant qu'on peut encore avoir. Vas-y, continue en dessus, hein, pas plaisir. Moi, je vais essayer d'aborder Carrette. Ok, donc j'ai demandé aux deux titans de Kirip, tu vas lâcher, tu vas partir sur les autres espagnols. Les Burns vont rester pour maintenir Garrett en combat. Tu as reçu, Titan? Oui. Compte de Guichen, bah, c'est parfait, tu vas pouvoir lancer ta réparation voile gauche. Il reste que 51 minutes, les gars, quand même. Hein.
Donc Julien et Tolan, il faut vraiment que vous fassiez les voiles à donf sur l'ami Pogonet. Ah, j'essaie, mais moi les voiles là, ils sont déjà à 75%, je pourrais prendre plus. Hein. Ah, tape dans la coque là, tape dans la coque. Bah ouais, je dis au pire, je peux toujours essayer de les mater, mais cette distance là, ça veut dire. Allez, Feld. T'as Feld, tu commences ta manœuvre parce que t'as le bébé qui t'arrive dessus à toute balle. Un Kiri pour info, j'ai déjà mis un canon. Ok, juste Jean Dubuisson, tu répares dès que tu peux. Franguy, tu commences à aller sur Feld. Sticky, il doit être abordage fictif, j'ai pas envie de me faire aborder un océan. De Franguy, ouais. Je fonce dessus. Genre en groupe, je suis en train de réparer, mais ouais. Biscat, t'es en train de tourner pour Carrette ou pas? Oui. Je pense qu'il faudrait pas qu'on le coule en fait, le monsieur. Bon, en 50 minutes, j'ai le temps de le rattraper. Hein. Ok. Ouais, vas-y, je suis en recherche. Feld, de Franguy, descend sur nous. N'hésite pas. Non, je pourrais rien faire de Fogonès. Hein. Oh, qui me parle là. Qui ne peut rien faire de ce Fogonès? Julien, moi je suis trop loin par rapport à lui, mais par exemple, Hater de Hélice, ouais, il y a moyen. Là. Je suis en train de rattraper apparemment. Ok, et bah va sur Hater de Hélice. Ouais, de Basile, moi je vais sur Fogonès. À mon avis, ce sera World War. Ouais, vas-y. Il tente de la ville, c'est peut-être une toute à droite. Je vais le tirer dessus à distance avec des balls, mais je garantis pas leur succès quoi. Ouais, je reviens dessus petit à petit. Des fois, mystérieusement, je pourrais pas. Le Marshall Sticky a pris un rift choc rien qu'avec la chaîne. C'est bien, mais bon, c'est pas plus que ça, il faut le violer. Il va pas te verser comme un chanteur. Ah, il répare Fogonès. Non, Hater de machin. Par ses voiles. Pas bien ça. Pas gentil. Fringuer, Sleeky de fringuer. Et hop, moi je t'ai fait le cul, mon gars. Il est comment? Il raconte. Charge tes chaînes de fringuer. À l'avant. Et de Viska apparaît pour l'abordage. Bien pris. Tu le tags avec les canons avant? Oui. Ça se passe comment la tête de ligne là? Iki est 65% de voile. Et les autres océans là, Fogonès et compagnie? Bah je m'emmerde un peu avec eux, je peux te le cacher, ils se barrent à chaque fois. Fogonès ça réparé, l'autre c'est pareil, à chaque fois je poursuis. Ah les gars, je croyais que vous alliez sur un des océans et que vous le voulez. Jusque le mec descende, vous collez autour, vous le violez quoi. J'essaye d'avoir l'autre à Hater de machin là. Non mais... non, mais faut arrêter de vouloir avoir tout le monde. Vous vous focussez sur Fogonès ou sur l'autre océan, lequel est le plus facile à choper. Et il y en a un autre ou pas par Fogonès d'ailleurs? Océan. Non. Ok, est-ce que Fogonès vous pouvez, vous avez une possibilité de l'avoir ou pas? Pareil, lui il esquive depuis tout à l'heure. Et vous voulez peut-être pas de Franguy, agent du buisson, vas-y, passe tranquille, j'ai déventé. On a fait ça, mais ils ont au moins 5000 raids. Je te suis derrière. La gars, on arrête tout de suite les blabla. Est-ce que vous avez la capacité à taper dans les voiles de Fogonès avec des ramets? Oui ou non? Ah oui, bien sûr. Moi je suis en train de faire. Vous le faites, et vous le faites tous. Vous abandonnez toutes les autres targets, vous faites que ça. Sauf si Yasliki ou un autre qui est en plein milieu de vous, tu vois, mais. Plutôt que de taguer 4, vous vous en focussez sur 1, il reste 40 minutes. On en a collé que 4 depuis le début quoi. Et Hater de machin, on fait quoi du coup? Jean a fait de charger ball. Ouais, c'était de même pour moi. Au milieu de vous les gars, soyez un petit peu intelligents, vous voyez bien ce qui se passe. Il y a Jarrett qui a 74%. Est-ce que Jarrett par exemple c'est une cible qui est atteignable ou pas? Il fait demi-tour, il y a Sleeky qui fait demi-tour les gars, attention. Un prix. Ouais, je fais la part, je fais pareil. Oh y'a Hater, laisse tomber, je le rattraperai jamais. C'est quoi ta merde? Ah,
c'est je balance tout le temps la flotte de Franky. Ah bah désolé mec, désolé, t'aurais juste crafté un Victory en live au Kuwait. Non mais bon, c'est pas du tout, enfin c'est pas mon but quoi, donc bon voilà, ça me dérange pas. Faut dire que les mecs en face ils sont comme toi, hein. Ils sont en océan, ils sont pas en fier fier. Hein. Attends, j'ai regardé avec le petit Borio là, je sais pas quoi là. Il nous amuse le centaure les gars, hein, Flicky hein. Il faudrait qu'on arrive à passer derrière. Ça plus, ils partent au vent, enfin, c'est quasiment. Je veux bien, mais c'est pas une mobilette mon océan. On va mais pareil, les gars, si eux partent au vent, vous partez au vent aussi. Ouais, on va le faire. Merde. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas de raison d'aller plus comme ça au vent. Hier, j'ai passé une heure et demie comme ça avec Luxa, au vent. Tu vois, les mecs, ils arrivent, il fait que dalle. Je sais pas s'ils nous emmènent comme ça. Ça passe, Fed. On va frotter un peu, mais c'est pas grave. Je passe à hauteur, mais je suis loin. Il avait même pas vu Frankie, excuse-moi. Ouais, mais moi non plus. Je rate. C'est pas plus mal, Julien, okay. Ok, les gars. Considérez okay. Effectivement Fogonès et l'autre comme perdu. Est-ce que vous avez moyen de Celtibero, Juango ou Allure Daily? Ah bah, moi je vais faire dessus et tout. Mais... De Frankie, j'ai dû braquer mes vols, ils me tiraient dedans. Mais bon, ils arrêteront pas, quoi. Déjà, eux, c'est mieux. Les gars de Carré, il faudrait que tu tapes un peu dans les voiles encore, l'ami Carré. Bien pris. Parce qu'il va vite. Je vais essayer de le dépasser, je suis à 89%. Le fringue à Feld, je dévente pour ralentir. Ah, le gros combat de merde quoi. Oh merde, 89. Des pouvoirs. Feld 300 quoi. Quoi 300 300 tirs dans les voiles. À 380 4 calibres, j'en mets plus des câbles, sinon tu vas prendre une méchante bordée dans tes voiles. Il repasse le vent, putain. J'ai un prix. Bon, moi je fais pas la manœuvre tout de suite, j'attends. Il se met juste en portée de tir, tu vois. Il filme quand même, ils savent très bien là. On est parti. Les gars, tu mets, on va les récupérer à la sortie, les mecs. Oui. Principal, c'est le début de film. Là, c'est la branlée pour ce qui nous a dit hier. Pour l'océan qui m'ont tapé hier. Et pour toi. On a perdu quoi hier? Des océans, je crois, un début. Pour les flics. Il n'y a pas des bazas aussi quand tu nous es tombé dessus, là, on a perdu ça. On s'est fait capturer un bazar, c'est sérieux là? Ouais, c'est dans l'autre groupe, ouais. Ah, c'est pas maman déjà qui répond. Ouais, j'en ai allumé. Bah, ouais, je l'avais dit, mais bon, personne n'a. Il dit tellement de choses aussi que bon. Ouais, mais il dit trucs assez intelligents des fois, ça arrive. Non, mais on t'écoute plus, vous dites. Tant pis, hein. Gars, tu le rattrapes ou quoi? Moi je rattrape Fogun. Je le rattrape hein. Les buts en temps, vous les rattrapez ou pas du tout? Il faut plus le tag ici, hein, moi je peux être en avant sur le bulbu. Le Marshall, il a l'impression qu'il est bloqué en Fringui, je tourne Fringui, à droite. Et j'en ai besoin pour que vous soyez plus agressif sur Slicky, s'il vous plaît. Ouais, c'est à gauche, Fringui. Il est à gauche, le méchant. Pas à droite. Fringui de Kirip, tourne à gauche, oui, s'il te plaît. Mais je vais me planter au vent, je vais être bloqué pendant au moins 5 minutes. Non, tu prends l'élan, ça passe tout seul. Moi, je vais passer tout seul le vent avec mon océan. Alors. De Viscay Kirip, le vélo est un peu pourri. Fringui, dès que t'es quasiment face au vent, t'appuies deux fois sur W, tu vois. Tu vas tourner tout seul et tu mets ta barre à l'envers dès que la vitesse est négative. Tac. Ouais, je viens de voir ça. Bon chier. Tac, c'est pas que les montues que je puisse former. Le Marshall, le Centaure, va partir quoi là. Ok, mec. Moi, je sais pas quand je le rattraperai, le Hector de machin, à mon avis, d'ici une demi-heure, on est encore en train de se taper dessus. A la rigueur, on peut faire barrage sur. Les cartes sont à droite, il est en train de nous brain.
Moi, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est faire un barrage sur le Pelona, l'ennemi, là. C'est le Tiburo Soldario, là, je peux venir vers lui. Ou je peux faire aussi Fogones, aussi, en lui faisant un barrage. Je peux faire avec quoi? Fogones, je peux faire ce qu'il y a de cette tue, là. Bon, allez, hop, c'est parti, je vais... Bon, là, bah, j'arrive à rien. Eh, Vescar, je t'avais prévenu hein, qu'il était en train de nous brain. Ah oui, oui, mais bon... Je suis pas ambitieux sans toi, hein. Je passe à la chaîne. Alors, faut le gonesse, il en est où ce con là un peu? Alors, faut le gonesse. Oh, ouais. Voilà. Ah, plus qu'à Kaip, attention. Il a perdu un main, l'ami. Oui, je viens de lui tomber là. L'ami Garrett. Dès qu'il a perdu un main Garrett. Ah, dommage. Bah, à mon avis, je vais l'avoir des visques. Hein, mais... Comme tu le sens. Il est où Garrett? C'est un ennemi? C'est un océan, on est avec Visca, on a pas de tomber. Vous êtes loin? Ah oui, faites du moins. Ah, on est loin, désolé. Mais... Et ça va être comment de votre côté? Vous allez réussir à manger quelqu'un ou pas? Non, je pense pas, ils sont en train de tirer. Non, il n'y a rien ici. Ils sont... Flicky, Felt, en fait ton affaire ouais. Ah oui, il ne reste plus rien lui. Ah oui, vous pouvez le prendre. Tranquille quoi. Je sais pas ce qu'il fait, il y a coup il va dans le vent, coup il revient vers moi. Ouais, bah, faites lui un coup de cul. Et que grappe et tout. Ah. Y'a machin, je recharge les boules là. Quand Guichen, t'as mis l'abordage, t'as entendu? T'as mon abordage, Caribou, pas? Ouais. Oh, c'est bien, vous allez avoir un océan capturé. Il m'aborde. La femme marine. Ça devrait pas poser trop de problème. Parfait. Ah, ça va, t'as 900 crew, il en a que 300. T'as le perk pour l'avoir leur flotte et tout? Ouais, Titan, j'essaie de lui faire rebouler les morts. J'ai aucun perk. Ah, pas, t'as pas un. Ouais, bon, au pire, de toute façon, ton joueur gratuitement. Je reste à côté alors, hein, si tu pourras toujours l'avoir gratuitement. Quelqu'un va le prendre, toi, ça. Ah, si, si, j'ai le perk pour le prendre. Ah, pardon, ok, bon, attention. Ah, bah, c'est bien, bah, un océan gratuit, c'est cool. Ouais. Jean, t'es chargé à quoi? Au bol. Je sais pas ce que je pourrais faire, là, mais je vais essayer. Mais... Le genre de fait de la jambe, tu, dès que tu, dès que t'as fini de tirer, tu vas te sur ta gauche. Ok. On va diriger vers toi. Du mytho, hein. Alors Kérib, ça se passe bien l'abordage? Ouais, tout va bien. J'ai déjà 30 mètres dedans en fait. Allez, c'est fini. Gagné? Ouais, que j'ai. Bien joué. Hop, un océan gratuit, c'est bien. Des power, Jean. En plus, les Veltra, bah ils vont gueuler. Ils ont quoi? Ils vont gueuler. Ça va branler. Tant pis. Bon. En une heure, trois océans coulés, un capturé. Oui, il a raison de capturer la seconde. Et un troisième rang coulé.
Il reste trois océans. Et nous on a perdu des navires ou pas? Un peu capturé. Un bazar, ouais. Bon, ça va. Et dehors, il y a au moins 100 tiers d'océans qui ont été coulés aussi. En plus? Ouais. Ah, voyons. Ouais, groupe de pirates et moi. D'accord. Eh ben, ayant. Eh ben, GG. Une mauvaise journée pour eux. Anus horribilis, comme disait la reine. On a des infos de ceux qui sont les flippés, enfin, capturés le port, je veux dire. Oui, il est capturé. Oh, super. Ah, ça va les calmer là, non? Télescopage. De non, mais je pense qu'on va être abordé. Qui va se faire aborder? J'ai mis l'abordage au cas où, mais je l'arrose. Ah, l'enflure une bloc. Non, c'est bon, ça bouge pas. Ça devrait être. Ouais. Mais par contre, tu l'as retardé, c'est bien. Ouais, mais je sais pas si j'ai pu. J'ai mis ma prépa de bordage, mais je crois que mes boulets sont tous partis à côté. Ok, c'est sur Fogonès là, on va la voir celui-là. Fringuit qui arrive plutôt à gauche à fond dès maintenant, faut pas rentrer dans Jean. De Fringuit. Et répare pas si ton main avant. J'ai plus de rigging. J'ai tellement pris de boulet. Je répare. Et tu la tires sur l'autre là. Fogonès. Et t'es canon arrière, Frégu, tu peux pas tirer sur le Bellona là. Sur le Centaur. User left your channel. Pour le taguer. Bah oui, mais le mec il peut être content. Il vient en prince de Neuchâtel, il reparaît comme océan. Ah, ça va. C'est cool. Ouais, mais bon, écoutez, c'est pas numérique. Ah non, clairement pas, hein. Il a. Bah non, clairement pas, au contraire même. Hein. Il a fait le taf, c'est sympa de venir nous aider. Hein. Bon, bah, faut connaître ses moyens qu'on. Désolé, on va la voir. Bah faites-lui les voiles au maximum. Tagué. Bah oui, bah je tire au boulet même si je suis loin. Dès qu'il est à 60% de voile, vous tapez au boulet. Il peut. Et voilà. Ah, ouais, fallait chercher les gars là, Sticky, il a pas de s'échapper. Ouais. Tagué, on l'a retagué. Moi j'allais dire bonne nuit à ma femme, il n'y a plus de danger là. Oui, tu peux y aller. Hein. À mon avis, la pub devrait pas voir s'il commence à se coucher comme ça et à baisser les voiles. Il se met dedans tout seul. Moi je tiens au boulet quand même. Alors s'il baisse les voiles, en effet, c'est qu'il a plus de répa voile. Voilà. Ah bah voilà. Fogonès, ouais, bah ouais. Donc si baisse les voiles vraiment pour deviner peut-être le corps à corps, passez dans le cul et tapez dans les mares, peut-être tomber un mare. Après il faut le capturer quoi, le Fogonès. Oui mais juste un mare, après vous faites le cul et vous capturez quoi. Ok, compte de Gishan de Kirip, tu vas tourner à gauche à fond pour arrêter de leur montrer ton flanc gauche qui est pas mal abîmé. Et tu vas partir dans la direction de Fogonès qui est derrière toi à gauche, ok? Ouais. Et je bosse Fogonès. Olan, tu vas essayer de remonter sur Fogonès aussi. En fait, la cible, c'est l'avant-garde de Fogonès. Comment ça, il y a les pégages qui font demi-tour d'ailleurs. Allez, je pose Fogonès. On a gauche à fond. Okay. Titan, j'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi. Je pose-tu vers sa droite. Toi, Titan, tu tapes dans ses voiles pour que tes copains puissent le rattraper. Pour l'instant. Il a juste 25 minutes, on n'a pas le temps de le capturer, mais on peut le démonter. Oh, ça veut rien dire. Taper dans ses voiles. Hein. Ah oui, non, mais moi je tape de loin, moi je suis loin, mais je tape quand même. Ah, ça marche. C'est Olan, si je tourne encore plus, je vais être à contre-vent. Ouais, tu continues tranquillou pour avoir une route convenable. Des fringues, genre du buisson, faut qu'on se le fasse. Tu tournes à droite, tu tapes à bord des gauches, tu retournes. Parce que moi aussi je tire Olan, t'es au courant, je suis derrière toi, mais bon, c'est pas grave. Feldmarshal, agent de buisson, tu tires à quoi là?
Vous voulez? Moi je tire au boulet, moi d'ici. Ça sert à rien de tirer la chaîne. Ça va nous passer 74. La double charge, Jean, n'hésite pas à la mettre. Hein. Ah oui, là, oui. Il est un peu anglais, il est long pour toi. Ok, il fait demi-tour vers toi, Fel. Il est en train de tourner face au vent, donc il va se rapprocher de toi, Fel. Donc prépare ton truc. Je suis prêt, moi. Tant que lui, hein. Viska, comment tu fais pour les voir sur ta map? Pogonais, c'était pas sur ma map, je suis en open view. Et t'arrives à voir les noms? Ouais, bien sûr, j'ai toutes les infos. Ouais, Fogonais, c'est à 72%, ouais. Là, il est vraiment ralenti. Ok, à compte de Gishen, ah, tu ouais. Gardes le mec qui est à côté de toi sur ta gauche. Julien d'Avapeur, tu vas sur Hater Daily sur ta droite. Ah oui, effectivement, Lila, lui. Il y a Sliki qui vient par ses voiles, les gars. Je vais tirer une dernière fois sur le. Contre Gishen, Julien, tous les deux sur l'ennemi. Ouais. Compte de Gishen, t'arrêtes, s'il te plaît, complètement. T'arrêtes, tu baisses tes voiles, c'est ton flanc gauche plus la merde. Non, tu vas pas t'arrêter, tourne à droite à fond, compte de Gishen. Julien, tu tournes à droite à fond, oui, j'arrive, Gishen à droite à fond. Compte de Gishen, comme ça tu as montré ton flanc gauche à personne. Fais-le maintenant et Julien, tu tournes à droite à fond. Pour passer entre Altéor et compte de Gishen, s'il te plaît. Ah oui, effectivement, il est là lui, allez hop, c'est parti. Ah merde, tu peux préparer les doubles par contre. Hein. On fait quoi lui? On le détruit, on le démonte. Solan, fais le cool. Solan, tu fais demi-tour, cool. Tu vas sur Altor des machins et tu le démontes aussi. Les autres espagnols sont en train de faire demi-tour pour revenir vers vous, les gars. Ils vont sur compte de Gishen, ils vont essayer de tuer compte de Gishen. Compte de Gishen, t'es face au vent là? Compte de Gishen, le vent il vient d'où là? De ta gauche? Il est mort. Le gars Feld il va essayer de t'aborder hein. Je sais pas mal. Et j'ai fait 3 leaks déjà pour bien le faire chier. Ouais, compte de Gishen, tu m'entends? Tu tournes sur ta droite pour leur montrer ton plan droit et tu vas tout droit, comme si tu t'es échappé, pour laisser un petit peu de champ. D'abord pour Julien, tu vas être un petit peu tout seul. Donc, Ouais mais y'a pas de problème, je tiendrai les champs. Il va un peu faire un mal, mais bon, enfin, c'est un buisson tort. Allez, Titan, tu commences à rentrer dans la coque, là, tu tapes dans la coque, hein. Avec la double charge et compagnie. Prends de Gishen, tu vas tout droit maintenant. Pour prendre un petit peu le large. Julien, tu fais attention de ne pas te faire aborder quand même. Ah ouais, ils ont quasiment autant de trop que toi, quoi. Pour ça, non, mais c'est pour ça. Puis même, je sais pas s'ils sont en fuite d'abordage, donc oui, je fais gaffe. Tourne à droite, Julien. Tourne à droite derrière. Enfin, fais attention de ne pas te laisser enfermer, là, il y en a 3 qui vont avec toi. Ah bah il m'aime hein, putain. Bien comme ça. Ah je l'ai fait tourner à droite. Ouais. À droite? Ouais. Ouais. Oui, là, mais... plus lourd que lui. Oui non mais oui c'est sûr. Prends de Gishen, tu vas aller à droite, tu vas rejoindre ton copain Julien tout seul. Ouais, enfin si tu peux ouais réparer ta coque, ouais. Solan, tu reviens sur les copains. Et ça, c'est qui? C'est Moua qui va peut-être enfin avoir. Et ben voilà, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de avoir suivi cette jolie vidéo que j'ai fait pour vous et qui m'a fait bien plaisir. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Merci beaucoup. Et on se retrouve au prochain épisode PVP sur Naval Action. Et n'oubliez pas de suivre la carotte. Et puis, faites pas les choux et puis de chaud.